Oh, il est genre bonne année à tous, vu que c'est la première année, c'est la première vidéo de l'année, vu que je n'ai pas tourné de vidéo depuis un moment. Aujourd'hui, on va faire quelque chose sur Diablo 3. On va tenter de faire des failles 90 plus avec aucun set, parce que vous savez, sur Diablo 3, on a les sets prédéfinis. Sauf que c'est possible de faire des failles 90+ sans aucun set en utilisant la gemme Héritage des Rêves, aussi appelée AOD en anglais, qui permet de augmenter nos dégâts quand on n'a aucun set d'ensemble actif. Et ça double si on a des anciens, sachant que j'ai quasiment full ancien et 4 primos sur moi. 3 primos, pardon. J'ai 3 primos sur moi et que de l'ancien. Donc, voilà, on va faire une 90, on va tenter. C'est parti. Alors, le principe de... D'accord. Ok, bah en fait, je pense qu'on va pouvoir faire plus que 90. Hein. Je pense. Hein. Vu les dégâts que je mets avec le marteau, je pense qu'on va pouvoir faire plus que 90. Bon, après, je suis en hors saison parce que pour le bien de la vidéo, j'ai été obligé de passer en hors saison. C'est un peu violent quand même. Ah, le fier. En fait, le seul problème du barbare quand on joue AOD marteau, donc c'est le set actuel que j'utilise, c'est lent, ça a pas trop de mobilité, du coup c'est un peu chiant. Et ils l'ont changé d'ailleurs, parce que les saisons d'avant, quand on avait le set avec le marteau, on avait un sort, le sort faisait que le marteau tapait autour de nous. Là, il tape que devant. C'est dommage. Par contre, on voit bien que quand j'ai pas mes anciens et le gros du berserker, je fais beaucoup moins de dégâts. Mais ça fait mal, quand même. C'est pas par là, mais merde. On va se perdre dans les deux. Faudra que je vérifie, mais normalement. Voilà, je prends quand même des dégâts. Hein. En fait, je ne suis pas comme ça. Voilà. En fait, j'ai un truc qui permet que à chaque fois que j'utilise. Un sort qui consomme de la fureur, je réduis d'une seconde le délai de mes sorts et du coup ça me permet de spam un peu plus. Bon, alors concrètement, normalement le marteau est censé consommer de la fureur, mais avec ce set là il en consomme absolument pas du tout, surtout si on touche un ennemi. Ouais. Et encore, je suis en hors saison, j'ai pas les gemmes légendaires. Hein, parce qu'avec les gemmes légendaires, ça aurait été encore plus rapide. Je pense. Ça fait quand même mal. C'est une sacrée mitraillette. Alors. Next. Niveau 3. Alors, pour ceux qui se posent la question, ce set là, je l'avais joué pendant un moment. En fait, mon perso s'appelle saison 27 parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer le AOD marteau en saison 27 et j'avais réussi à rentrer dans le classement. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'avais réussi à rentrer dans le classement. Des aucun set. Ça c'est bien ça. Bonjour. Hâte de fuir, reviens là. Bébé. C'est un peu violent hein. Je peux le dire. Mais c'est vraiment lent en fait. C'est ça le problème, c'est que
Là j'ai de la... j'ai de la move speed grâce à un pilote, mais... Oh là là. D'ailleurs, si vous voulez me poser des questions sur Diablo 3, Pokémon ou The Forest ou des jeux comme ça, je pourrais vous répondre en vidéo. Ce serait intéressant à faire d'ailleurs. Ça permettrait de répondre aux questions des gens, parce que là je pense qu'il y a des gens qui vont se poser des questions. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Au revoir. Oh, consommable. Oui, Urshi. Je peux encore l'augmenter? Sérieux? Ah ouais. Alors. Ouais. Plus. En fait, c'est 99 le niveau max sur la. Sur la l'héritage des rêves, mais c'est déjà bien broken. Bon, alors. Je vais pas vous le cacher, les items en normal, je m'en fous complètement. À moins de drop à killer une en primo ou un item que j'utilise en primo. Vas-y, on est fou, on tente une 100. C'est parti. Ah bah ouais, ok, d'accord. Ok. Potentiellement les dégâts pour faire même plus d'une 100 hein, d'ailleurs. Parce que ça disparaît très vite là les bombes. Merde, j'ai fait trop tôt. Je l'ai fait trop tôt les anciens. En fait, j'ai un truc qui fait que quand j'ai le cours du berserk et les anciens activés en même temps, je rajoute 800% de dégâts sur mes marteaux. Sachant que j'ai déjà plein de trucs qui rajoutent des dégâts au marteau. Hop ici. Ah, de la musique, ça c'est bien ça. Bon, je vais chasser les élites. Si on trouve. Je dégage un peu de passage. J'ai pas l'air d'en avoir. Ah si, on a là. Une élite avec illusion. Ok, d'accord. Il est mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement dans les failles supérieures on chasse les élites parce que c'est plus rapide quand il y en a. Évidemment. Bon, ça a pas l'air d'être le cas là. Et bah non. Alors, go next map. C'est un peu puissant. C'est pas très rapide. Pour clean. Encore. Ah, putain. Le mieux c'est que j'ai des sorts qui permettent de rassembler les ennemis. Là j'ai plus mes sorts, du coup je fais moins de dégâts. Mais là je les ai et là. Ouais, j'ai de la robustesse quand même hein. Ah oui, 4 milliards, ok. Tu m'étonnes que j'ai de la robustesse à 4 milliards, c'est énorme. Ah merde, je peux pas traverser les murs. C'est embêtant ça. C'est vrai que je sais pas si hors saison il y a le truc qui permet de faire les altars, mais c'est... Quand on passe à travers les murs et tout, c'est vraiment grave pratique. Ok, jusque là, c'est pas par là.
épée. Peuple. Ah. Bonjour les élites. Au revoir les élites. Il y avait un gros pack. Au marron, c'est ça? Putain, c'était en haut. C'était ma gueule. Map de merde. J'aime pas ces maps là. Là, ça va toucher plus les dégâts. Marteau. Ah, c'est là. Bon. Bah, je regarde jusqu'à quel niveau j'ai été avec celui-là. Oh merde, il y avait un pilote derrière. Tant pis. Oh là, c'est mieux. J'ai un autre élite. Ah. Tant qu'ils sont pas incontrôlables, c'est parfait. Incontrôlable, ça évite que je les ramène sur moi. Oh là là, c'est tellement satisfaisant d'éclater des monstres comme ça. Ah, ça c'est dommage. C'est pas encore prêt. Si je trouve un totem de puissance. Ah, élite. Je sais pas mes sorts, mais élite. Dernier. What? Ah bah il est là. C'est bizarre, il y a un élite mais... Ah bon sang, c'est beaucoup moins de dégâts dans le sort. Hein, que... Oh là. Épée. Je crois que j'ai eu un primo. Je crois. Hein. Je suis pas sûr. Mais. Je crois. Alors, on va augmenter encore celui-là. Sachant que depuis je sais plus quelle saison, on peut faire en sorte qu'une de ces. Un de ces objets soit primo grâce aux cendres primordiales. Ce que j'ai fait sur le marteau là. Ah non, j'ai rêvé. Non, non, j'ai rêvé. Je croyais que c'était le l'icône du boss. Hop, donc les objets... c'est pas fou comme objet. Hein. C'est quoi mon record? Ah bah pour l'instant c'est une 100. Ok bon, on va aller au dessus hein. Bon allez, je suis une dernière faille, on va tenter la 105. Ah ouais. Clairement la robustesse ça pique un peu hein, quand j'en ai pas là. Oula, ça lag. Ouais, il y en a vite, mais j'ai plus mes sorts. Là. Voilà, ça va aller. Il se prend des mitraillettes de marteau. Fuir! Quel que soit le personnage, une explosion de grotesque on aime pas trop. Hein. C'est pas ce qu'on kiffe le plus. Ça fait toujours pas par là. Les dégâts hantés quand même. Hein. C'est au-dessus de milliards du coup. Voilà.
Alors. Il y a du peuple, hein. Je viens de ramener des gens, mais. Alors, hop, hop. C'est mieux d'avoir des élites plutôt que des monstres normaux parce que ça monte pas trop. La barre elle monte pas vraiment là. Ah bah voilà! Attendez quoi? Avec l'ambulance. Alors. Oula, lui il fait mal, pardon. Lui il faisait bien mal. Alors. Alors. Ah bah il est là en fait. Attention des projectiles, ça ne marche pas contre moi. C'est lent mon dieu. Test de déplacement c'est pas ça. Mais au moins je sais que j'ai les dégâts pour faire au moins de la 105. Bon, peut-être même plus, hein. On va s'arrêter à 105 pour l'instant. Ah. Je viens d'arrêter de me téléporter, mon grand. Ouais, ils sont costauds quand même, hein. Je vais pas mourir. Oh. Oh oui. Meilleur pylône pour mon perso. Ah d'accord. En plus il suffit d'avoir une saveur du temps sur la personne, le templier, le compagnon là, et on peut faire durer les pylônes plus longtemps. C'est 3 minutes au lieu de 1. Je crois que c'est ça. C'est un truc comme ça. Bon. Ah, il y en a un. Ah oui, il est là. C'est un peu Bagdad là. Arrête de fuir. Ah. Alors maintenant, la sortie. C'est pas encore la sortie. Ah oui. J'ai pas trouvé la sortie. Les élites sont morts. Regarde les globes. Et non. En fonction des maps, il y a souvent des pylônes. Là, c'est cet endroit-là, mais pas toujours. Alors là.
Non, pareil, c'est dans l'explosion. Je suis insensible à la glace, mais pas au feu. Enfin, disons que j'ai. Je peux pas me faire geler. Puisque j'ai les bottes de glace qui empêchent l'immobilisation par la glace. Allez, alors c'est qui le dernier cette fois-ci? Chanteur. Oh non, oh pas lui. C'est un des pires chanteurs. Ah, le gars m'a planté déjà. C'est vraiment une torture de battre le chanteur. Tellement chiant, c'est pas le pire, mais il est très chiant. Pour moi, un des pires, c'est Hamelin. Ah bah, la preuve, il m'a one shot. Ouais. C'est pour ça que j'ai un flash encore. One shot et violence. Bon, après, ça empêche pas que je finisse la fight quand même. Ah! Comment ça, 800? Je suis dans les 800 meilleurs joueurs? What? Alors. Normalement, ça va jusqu'à 500. Attends, quoi? Ah non! Attendez, j'ai fait une 105, je suis pas fou. Ah bah, je suis 29ème actuellement au classement, what the fuck! Mais après, ça m'étonne pas, à mon avis, juste parce que personne ne joue le barbare. Oh, mais normalement, il joue. Ouais, c'est ça, il joue le même barbare. Sauf que, à mon avis, il a ça. J'aime au niveau 99, c'est ça. Ça, il est à niveau 150. Et puis le War des Kaldelsan partout. Ah non, faut que je parle à Uchi, c'est vrai. Ah, j'ai une couronne du roi de Rick. Faut que je vois si elle est bien ou pas. Hop. Ça remonte de niveau encore. Alors voyons voir. J'ai une Ingeom aussi éventuellement, mais ça c'est pas sur ce barbare là. Ingeom en ancien. Non, la couronne du roi Léoric est naze au possible. L'exécutrice aussi, ouais. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les Waka, Waka.